Bonjour et bienvenue dans le cinquième épisode de Pokémon version Uranium, bien radioactif en Nuzlocke Challenge. Alors comme promis, nous sommes à Néothèque et j'ai fait pexer Tinkerase qui est maintenant niveau 14 et presque prêt à évoluer. On avait occupé plein de Tamulots, hein. Donc tête de roc, il a gagné donc griffe acier et coup de boule comme attaque. Et coup de boule, il me semble qu'il avait pas non plus avant. Le reste de l'équipe, c'est Nyandita niveau 15 avec Give Attack, Charge, Chargeur Éclair. Oui, Gilles Loté, il y en a qui vont le trouver moche, mais il est tout mimi. Avec Piqûre, c'est une attaque un peu du genre de type Larcin, mais en type insecte. Poudre Dodo, Venciférique et sur l'insecte. Notre oiseau chanteur LK Wen, maintenant bien écrit. Avec Tornade, Tranchère, Berceuse et Vive Attack. Et notre starter Warner niveau 16. Qui n'a pas pris de nouvelles attaques. C'est peut-être coup de boue, je sais pas s'il a été appris. Tu ne sais jamais quand un rival viendra te défier, particulièrement quand tu seras faible, comme après, je ne sais pas, un combat d'arène. Oh, merci de nous prévenir. C'est gentil. Allez, fonçons sans tarder à l'arène, car c'est le but de cet épisode. Écoute, je te l'ai déjà dit, je ne suis plus le maître, tu comprends, je suis à la retraite et je suis championne d'arène. Mais Maria, vous étiez la plus forte dresseuse de tout Andorre, si talentueuse, jeune et belle, pourquoi anéantir toute cette célébrité? Vos fans vous aiment toujours! La gloire ne m'intéresse plus, je veux juste vivre ma vie normalement, tenir mon arène et ne plus avoir affaire avec des énergumènes comme toi. Sérieusement, ce n'est pas normal de faire des doubles des clés des gens! J'appelle les rangers, la police! Non, non, s'il vous plaît, pas les menottes, je vous laisserai tranquille, je vous le promets! Bien, mais tu n'es plus bien devant l'arène! Dégage! Oh là là, soupir. Je suis désolé que t'aies pu voir ça. Je ne suis pas une personne nerveuse, normalement, tu sais. Mais une fois que tu remportes le tournoi de Tandor, c'est inéluctable. Tout le monde connaît ton nom. Parfois, c'est assez pour me donner envie de m'en aller. Mais dans ce cas-là, qui gérera l'arène? En parlant de ça, je ne sais pas qui. Je sais que tu es là pour le badge normal, très normal. Je pense que t'es assez attendu. Rejoins-moi à l'intérieur et montre-moi ce que tu vaux. Défions sans tarder cette arène Pokémon officielle. Yo dresseur, c'est ta première arène, tu dois être en max. On m'appelle le mec des arènes, présent pour donner des astuces aux dresseurs qui cherchent à défier la ligue de Tandor. Eh oui, il y a toujours un tuteur pour nous donner des tutoriels à l'entrée de l'arène. Maria est une experte du type normal. Les types normaux n'ont pas d'avantages particuliers, mais ils ont peu de faiblesses. Les types combat sont forts ici, comme Féro Singe, tout comme les types acier comme Orshanks et Ambrifère parce qu'ils sont résistants à leurs attaques. Sinon, la pleine puissance de ton Pokémon le plus fort devrait faire l'affaire. Bonne chance, je serai de ton côté. Oh, et prends ça avec mes salutations. Oh, merci pour la bouteille Volvic. Hein. Pub pour Volvic. Ah, mais toujours. Bon. Allez, on fait défiler le texte, j'ai pas fait exprès. Blablabla. Équipe, s'il vous plaît. Pokémon. Oui, c'est la musique officielle de l'anime pour ceux qui l'ont reconnu. Hein. Donc j'espère que YouTube va pas mettre un copyright là-dessus. Objet, donné. On va utiliser les baies maintenant. Que j'ai cultivé avec amour. Alors je sais pas qui j'utiliserai comme dans l'équipe. Je pense que j'utiliserai Roanard hein, pour défoncer le champion. Ou Tinkerase. On verra. Allez, commençons les dresseurs. Ah, tu crois que tu as de quoi battre Maria? Laisse-moi m'en juger. Et oui, on va se prendre un petit gamin qui fait tomber ses stylos de son de sa sacoche. Tamulo. Allez, griffe assez, on va essayer de buffer son attaque. Ah mais j'ai oublié d'activer les animations de combat. Faites-moi penser, animation de combat réactivée parce que bon. C'est bien qu'on pexe mais. Pas qu'on fait un combat officiel. C'est moins immersif. Vas-y, vas-y, tape sur du fer et de la. Ah il a raté son attaque. Ah ça y est, j'ai l'attaque buffée. Tamulo, maintenant achève-le directement avec coup de boule. Ah bah non, il n'a pas été one shot. Allez, coup de boue. Bon, Lien est débile. Ok, on va pas prendre de risque. C'est un combat d'échauffement. Ah, celui-là du potentiel. Oh, une évolution, comme promis. Non, je l'ai pas dit en début de vidéo, mais il y a des évolutions encore.
tout, 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 tout. Layout mise à jour, vous avez gagné un Tinker SC, non, un métallifion, Pharaon. Le Pharaon métallique. Eh bien, je devrais sortir, je suis impressionné. Ah, l'objet de l'unité, faut pas que j'oublie. Super potion. Lalalala. Je te défie, toi. Marie est peut-être la première championne d'arène, mais elle a été maître. T'as encore des années-lumière de la battre. Ouais, mais elle a des Pokémon un peu merdiques, hein, en attendant. Oh, petit piaf. Miaou. Attaque. Griffassé. Wow, tu t'aimes fort quand même, le petit piaf. Un dégât. Métallifaon. Ouais, il me dépasse mon attaque. Ok. J'hésite à switch là sur le coup. Ouais, je switch. Qui est le Pokémon le plus en retard et toi? Oui, dégâts quand même. Charge, oui. Bon, une erreur de traduction sur la phrase, hein. Le Pokémon ennemi ne somnole pas, c'est gars que moi. Hein. Maria ne se sert pas de son équipe de maître en arène, mais est tellement douée en tant que dresseuse qu'elle a réussi à faire évoluer son fidèle en avance. Donc c'est un Pokémon hacké, comprendre ça. Hein. Alors, j'en reviens au centre Pokémon, pas pour soigner les 8 dégâts qu'a subi mon Pokémon, mais pour respecter la règle officielle de tout combat d'arène. Pas plus de Pokémon dans mon équipe que le champion, et la championne en a 3, donc il faut que je mette 2 Pokémon dans le PC. Ouais, c'est une règle qu'on voit dans le dessin animé, il faut la respecter dans le jeu. Attends, je vais faire un truc vite fait d'abord. Récupérer l'objet de lui. PC de Twitch. Ah, j'ai droit à mon PC maintenant. Non, je vais déposer un Pokémon. Alors, on va temporairement déposer. Allez, le Piaf. Et Niandita. 3 Pokémon, pas plus. Alors, c'est une règle officielle des tournois Pokémon. Et tant pis si le rival vient me sauter après dans ma tronche. Alors bien sûr, je reste en mode défini, hein, j'ai pas le droit de switch, hein, question d'équité. Donc c'est bon, on va l'idée avec Tinker AC. Attention, musique officielle, rebonjour, donc je ne crois pas qu'on se soit réellement présenté. Comment t'appelles-tu? Trois petits points, je m'appelle Trois petits points. Anarion, j'aime bien, bienvenue à l'arène Pokémon de Néotech. Je suis Maria, spécialiste du type normal, mais tu le savais déjà. Évidemment, la plupart des gens connaissent Maria, maître de Tandor. Ah, d'ailleurs, parenthèse, j'ai lu une théorie intéressante à propos des arènes Pokémon. Pour permettre aux dresseurs qui veulent postuler pour la Ligue d'avoir progressivement les 8 badges de la Ligue, les premières arènes utilisent volontairement des Pokémon plus faibles que les premiers champions n'utilisent pas leurs meilleurs Pokémon, de manière à ce que la difficulté soit progressive. Et s'ils ont dit si les champions utilisaient tous leurs meilleurs Pokémon, globalement, dès qu'un dresseur atteint le niveau, il ferait tomber les 8 dresseurs en même temps, mais pas avant très longtemps. Personne n'aurait son premier badge avant très très longtemps. Voilà, fin de la Poké théorie. Voilà, et maintenant, il guide les dresseurs avec des Pokémon d'entraînement, on va dire. Allez, premier champion en mode difficile. Chouetton niveau 13. Miaou. Alors, clairvoyance. Il faut que j'essaie de buffer mon... Ah mais j'ai oublié d'activer les animations de combat. Bon tant pis, il n'y aura pas d'animation de combat. Allez, spam griffacier. Bon, le type proche acier, j'ai un double avantage sur le type normal. Hein. Allez, il m'a endormi, il m'a timide. Ouh, la musique change, c'est sympa ça. Tu as un grand futur devant toi, mais qu'en est-il de maintenant? Niveau 15. Ma B n'est pas censée s'activer là. Normalement, je suis censé avoir une B qui me réveille. Ah, voilà.
Ah oh, putain, il a l'initiative. Bon, et on va jouer stratégique. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je spam. Coup de boost, sachant que j'ai pas l'initiative. Griffe acier, c'est le mieux. Oh, merci Tinker AC pour le coup critique. Et level up. Vous avez vaincu, chef Maria. Chef, c'est quoi cette traduction? Foireux, c'est championne Maria. Chef, elle est meilleure, elle est bien cette traduction. Ils ont traduit mot à mot le terme leader, hein. C'est ça l'esprit que je veux voir. Tu as bien mérité ce badge normal. Ah, tu donnes quoi le badge? Allez. Badge normal, Pikachu. Avec les voyages, les liens avec tes Pokémon se renforceront. Plus grand est l'amitié, plus retour est puissant au combat. Les CT peuvent s'utiliser à l'infini. Oh, c'est génial ça. Donc apprends-le en plus de Pokémon possible. Ils peuvent presque tous apprendre celle-là. J'ai aimé combattre contre toi, Narion. Bonne chance pour ton voyage. Miaou. Ouais, c'est Narion, notre type chat. Apparemment, Twitch adore les chats. Allez, on va vite en son Pokémon. On va récupérer les deux autres Pokémon de notre équipe. Il est où le son Pokémon, là? Alors, je rase les murs, oui, parce que je sais pas où est le rival. Ils me disent que le rival traîne dans le coin. Allez, on va soigner. Non. J'ai déjà soigné, merci. Alors, PC de Twitch. Retirer. On récupère. Bon, finalement, je l'ai battu avec un seul Pokémon. Ça passe les doigts dans le nez. Allez, on récupère les objets. Les animations de combat, j'ai oublié. Oui, parce que l'épisode n'est pas terminé. Ça continue. Jolie avec qui du coup? Allez, tiens, Nilandita. Pokémon. La musique de Doublonville. Oh, Hey, je savais que je te verrais ici. La voix de Goulm, c'est vrai. Tu te sens toujours le plus fort parce que t'as pris le meilleur Pokémon. Je suis sûr que t'as essayé de battre le champion et que t'as écrasé. Je l'ai explosé avec un seul Pokémon et sans objet. Quoi? Tu as gagné, c'est pas possible, mon précieux. Je devrais la battre en premier, c'est pas juste. On s'en fiche, parce que quand je te battrai, ça prouve que je suis plus fort que vous deux. Ne pense pas gagner juste parce que ton Pokémon n'était pas à l'avantage. Merci Gollum, merci. Il y a beaucoup de let's players de ce jeu qui disent que c'est le pire rival. Mais d'un point de vue moqueur, hein, qu'ils ont jamais vu. Le pire. En fait, dans le sens clownesque, voilà. Ah, il est paralysé. Allez, achève le attaque éclair. Miaou. On se le fait sport ou. Non, il y a un switch. C'est pas le switch gratuit, hein. Alors, ben, Roanard, je pense, hein. Oui. Je t'offre un tour gratuit, je suis gentil, hein. Ah oui, 9 dégâts quand même. Attaque Flamèche. Au revoir. Miaou. Hey, niveau 13 quand même. Même mes nouveaux Pokémon sont pas... Non, ne me font pas gagner. T'en as qu'un seul nouveau Pokémon. Pas juste, ça n'a rien. T'as moqué de moi comme ça, t'es méchant. Méchant au pit. Allez, tant pis. Le professeur de Nintendo, ça, prends-le, ok? Tout, éclatroc. Je vais défier la reine. La prochaine fois qu'on se battra, je gagnerai. T'auras pas autant de chance. T'as un niveau encore plus bas que le champion. Hein? Il y a une lettre attachée à la CS. Cher Anarion, Théo s'attardait en ville après que tu sois parti et je me suis rendu compte que je voulais vous donner ça. C'est une CS ou capsule secrète qui contient une capacité qui peut être apprise que par les Pokémon. Apprends-la à un de tes Pokémon, il sera capable de briser les rochers friables. Enfin, je te demandais si tu pouvais revenir à Pourmonkey après que tu aies ton premier match. Je veux voir la progression de tes Pokémon. Professeur Bombo! Je vais retourner à Pourmonkey.
tiens. Attends, Pokémon. Nyandita, ton petit objet, merci. Hyper potion. Alors, est-ce que c'est les mêmes Pokémon sauvages? Ou un chouetton? Attaque éclair. De toute façon, c'est toujours la route 2, donc j'ai pas le droit de capturer un Pokémon ici. Ouais, bon. On va pas s'entraîner. Allez. Objet gratuit, antidote. T'es qui, toi? Je... Attends. Salut Lunarion, c'est Riche et comment va la vie? Mon venu et moi adorons jouer à des jeux. Et l'autre, du coup, peut me foutre son point d'exclamation de ma tranche parce que le gamin m'a appelé. Ah! Va jusqu'au sud, mon beau Pokémon oiseau! Alors que c'est moi qui voulais lui foutre un point d'exclamation. Niveau 13 de Messignol, plus fort que celui du rival, vache. Allez, chargeur. Comme ça, je vais le one shoot. Ce n'est pas très efficace. Attaque éclair. 11 dégâts, ouais, ça fait mal. Coup critique. Messignol est mort. Hein. Là, je l'ai explosé. Bon, allez, attaque éclair, c'est bon. Il m'a fait 7 dégâts, je vais pas prendre de risque. Je mets qui du coup? Bah allez, un piaf. Je prends pas de risque. Hein. C'est bon, le coup critique, ça peut toujours arriver. Voilà, coup critique, qu'est-ce que je disais? Allez, vive attaque. Ah, il est plus rapide que moi, putain. Putain, mais il est en train de faire très mal, là. Hein. Bon, d'un côté, j'ai une défense de merde. Hein. Tu nous as coupé les ailes. Hein. Oh, encore une évolution. Évolution. Pause. J'ai pas mis le layout à jour. C'est bon, layout mis à jour. Je peux te dire que tu as un esprit de feu, tu veux qu'on échange de numéro? Bah oui, oui. Ça fera toujours plus de revanche. Hein. Voilà, maintenant j'ai un pincerelle. Par contre, elle est bien blessée. Donc deuxième évolution de cet épisode. Tout le monde a évolué sauf Raptorch. Mais bon, Raptorch évolue au niveau 29, hein, donc faut pas être pressé. Et c'est là où je regrette pas d'avoir entraîné les Pokémon parce que l'ornithologue il m'en a fait voir un peu de toutes les plumes. Hein. Allez. Ouais, montagnard, on va pas prendre de risques. J'hésite à mettre Tinkaressa en premier. Ouais. Bon, allez. C'est contre le type roche, j'ai pas ce qu'il faut, hein. Je vais pas me le cacher. Oh, il doit bien tanker lui quand même. Résumé. Ouais, 48 de défense, c'est bon. Si je gravis cette colline 1000 fois, mes fessiers seront aussi durs que l'acier. Non, parce que si je me prends une attaque de type sol, Ombrifère, c'est extrêmement efficace. Bah tiens, prends une attaque de type sol d'ailleurs. Oh, comment il a tanké? Bon, j'aurais... Ok, vas-y, il me fait plus de dégâts alors que j'ai un niveau supérieur. Sac... Sachant qu'il m'a débuffé... Ah, j'ai pas un Pokémon de type vol. Si, j'ai ça, mais bon, double résistance. Ah oui, mais elle est pas stable l'attaque, c'est pour ça que j'ai presque rien fait. Bon, c'est bon, je vois. Attaque Flamèche. Voilà, c'est du spécial. Ombrifère est un Pokémon qui aura une détermination sans faille.
Ok, on a compris. D'ailleurs, je vais voir juste un truc sur le Poké... Enfin, le Hippoké, plutôt, hein. Non. Pas... Ah, non, je tiens. Séduction. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Cinématique. Oula, dresseur, tu essaies de rejoindre Kevar? On dirait que le chemin blanc est encore bloqué par un glissement de terrain. On en a plein ici. T'en fais pas, je suis un ranger Pokémon destiné à protéger les gens et les Pokémon de la région. Pauvre ranger, à l'attaque! Mon capstick émet une onde incolore, une onde indolore attirant les Pokémon sauvages. Maintenant, regarde, dresseur, et apprends. Voilà, grâce à mon capstick, j'ai réussi à transmettre pensée à ces Pokémon sauvages et en créant un lien temporaire entre nous. Maintenant, si je demande de leur aide, ils m'aideront. Casser ces briques, ces rochers. Voilà, c'est fait. Au revoir. C'est ainsi que nous, rangers, travaillons avec l'environnement, nous empruntant les pouvoirs innés des Pokémon sauvages pour le bien et les libérant quand nous avons fini. Nous sommes différents des dresseurs sur cet aspect. Prends soin de la nature et rappelle-toi, tu peux toujours appeler un ranger à l'aide à quoi de besoin. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Bon. D'ailleurs, je viens d'y penser, l'attaque éclatrol, je vais être obligé de la prendre à un de mes Pokémon. Les baies ont déjà germé. Ouais, je cultive les baies, je continue de les cultiver. Putain, je pensais pas que les deux dresseurs sur cette route allaient me faire quelques frayeurs. Hein. Alors, on se dit trop facile. Bon, un petit problème d'équilibrage. La championne aurait dû être plus difficile et moins difficile. Antidote. Putain, bon, on va rejoindre Bourmoki du coup. Hein. Allez, ne perdons pas de temps. Ah tiens, mais du coup je peux passer par là. Eh ben on va faire ça. Bon, on va falloir sacrifier un esclave à CS. Hein. J'aime pas les slaves. Alors. Non, CS s'il vous plaît. Boîte à CS. Non, pas retour. Quoique, je pourrais la prendre à quelqu'un. Bon, allez, hop. On va prendre retour, ton cogné. Bah, charge. Allez, on la prend à tout le monde, puisque les CT sont illimités comme en 6G. Après, je connais pas encore leur niveau d'amitié. Ouais, la place de griffe. Bon, ah oui, c'est redondant. Bon, en tout cas, ça sera plus puissant que charge au griffe, ça c'est sûr. Hein. Tinker, assez, je lui apprends. Non. Si. À la place de charge. Ah bah tiens, d'ailleurs, je vais tester ça tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi. Il me faut un dresseur test, et le meilleur dresseur test, c'est lui. Bon, je fais juste un combat. C'est juste pour voir si retour t'as fort ou pas fort. Miaou. On dirait un cri de chat. Bon, ça one shoot, c'est bon. Bon, on est d'accord que coup de boule, ça one shoot aussi, hein. Bah oui, il a évolué, hein, forcément. Bon. C'était pas le meilleur exemple où tester, mais bon, au moins, ça me rassure un minimum sur la puissance de cette attaque. Hein. Alors, au moins qu'elle soit affichée dans les stats des Pokémon. On sait jamais, je vais vérifier. Option... Non, pas option. Pokémon. Résumé. Non, c'est pas indiqué. Alors, ben, c'est slave, ça y est. Là, on est devant. Je déteste les CS. Ok, bon. Alors, il me semble que l'effaceur de capacité est assez loin dans le jeu, enfin vers la quatrième, vers la ville du troisième ou quatrième badge, si j'ai bonne mémoire. Ça m'énerverait de faire perdre une attaque à Roanar, mais bon. Vu qu'il a encore une attaque inutile. Ah,
Allez. Boum, c'est bon, on a notre premier esclave ACS. On fait une petite sauvegarde. On sait jamais ce qui se passe. Mais... Casse-toi avec musique rock. Très bon endroit de se battre. Je vais vite switch là. Pokémon. Double faiblesse, même pas en rêve. Ah bah tiens, il va remettre une fée. Ah non, je le laisse pas contre une double faiblesse. Hein. La fée vous en tue bien, bien, bien comme il faut. Vent féerique. Ah, il se gonfle. C'est super efficace. Ah, une petite piqûre. Ah, il a raté son attaque. Oh, bien le monsieur à petit. Allez, fais dodo. Oula, 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 oula. Gros dodo. Alors, du coup, je peux switch gratuitement. Il a lévitation. Bah, tout simplement lui, petit passé, il est immunisé au poison. Attaque. Bah, allez, retour. Putain, il est vraiment rapide le Nociraptor. Ok, on a vu combien de dégâts ça fait. On va comparer à coup de boule. Ok, c'est pas très puissant encore au retour. Hein. D'ailleurs, je dois pouvoir trouver des Pokémon sauvages là. On va tester. Ouais, du coup, j'y pense, comme on est en Nuzlocke, on peut vraiment se retrouver coincé dans le jeu si on n'a pas capturé les bons Pokémon. Hein. Super potion. C'est vrai ça, si on n'a pas le bon CS Slave, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent l'apprendre cette attaque. Hein. Alors ça, je pense que c'est un pêcheur. Ouais, bon. Pokémon. Échanger en premier. Je te défie, pêcheur. Ouais, pas en barrière. Logicard. Allez, chargeur. Bon, il fait son attaque charge. Ah bah tiens, je sais... Merde, bah tant pis, j'ai perdu le chargeur, c'est pas grave. Ok, coup critique, fait presque la moitié des PV. Retour, ça fait combien? Oh, Nihonita plus amitié que... Ah, donc je suis déjà à 80 de puissance. Hein. Allez, achève-le, éclair. C'est super efficace. C'est le cri de Tether, ça, il me semble. Les outils sont tout aussi bien. Allez, ça fera un dresseur répétable de plus. Oula, 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 c'est quoi tous ces dresseurs-là? J'ai la trouille, là. Alors, Pokémon. Hyper potion. Les femmes, vous êtes de bonnes dresseuses. Oui, mamie, on a compris. Ah non, c'est experte. C'est pas une mamie. Chouette, c'est chouette, j'ai l'avantage pratique. One shoot. Putain, mulot. Allez, retour. T'es vachement fort, gamin. Allez, encore un pêcheur. Je confirme, les Pokémon sont les meilleurs. On a compris.
Oula, je suis pas sûr de le two-shot là. Un PV. Ah bah oui, il faut qu'il m'empoisonne. Bon, c'est bon, tu l'achèves. Il va falloir que je switch par contre. Alors je sais ce que je vais faire. Il connaît pas d'attaque de typo encore. Voilà. Omnoid. Je t'ai anticipé. Attaque. Bah coup de boule hein du coup. Ouais. Vas-y, écrase-moi ma face. C'est très dur la scie. Hein. Oula, il est tout silencieux lui. Alors, on va prendre son objet et d'urgence, on va lui donner un objet de soin. Ouais, médicaments. Antidote, j'en ai tellement trouvé. Du coup, on va plus le mettre en premier parce que là, il n'est pas en très bonne forme. Allez, oui, j'ai le noté en premier. Encore un dresseur, oh non. Je devrais aller jouer avec mes amis plutôt que de rester planté là. Non, là, personnellement, je trouve que j'ai le bon niveau. Hein. J'avoue que j'hésite un peu à switch, là. Ouais, switch. Attaque. Griffe acier. C'est le tank lui, hein, y a pas à dire. Vas-y, spam vive attaque. Ah, polyroche. Non, ça m'intéresse pas, ça. Ah, 1-1. Ouah, c'est bon, griffe assez, allez. Oh, il fait pareil que moi. Attaque griffe assez, achève-le. Je pense que j'essaie de nouveaux jeux. Je suis le seul jeune à Bourmoki. Et on a gagné un petit objet. Super au moins. C'est super. Bon, les baies, ça pousse bien. Et voilà, on a fait les nouveaux dresseurs de la route 1. Oh, oula, et cinématique. Bambo, oh Marion, t'as fini par y vivre, bien, bien. Pourquoi ne me suivrais-tu pas jusqu'au labo? On a beaucoup à se dire. Téléportation. Tout d'abord, je voudrais te féliciter pour avoir eu ton premier badge. Je pense que c'est une super idée de te mesurer au défi des arènes de Tandor. Qui sait tout ce que tu verras et les nouveaux Pokémon que tu croiseras sur ton chemin, hein? Si tu as l'intention de gagner les 8 badges, la prochaine arène est à Burol, à l'est. Maintenant que tu as éclaté Rock, tu seras capable de détruire ces rochers qui bloquent le chemin. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle je t'ai fait venir. Dis-moi, comment avance ton Pokédex? Il est très important pour mes recherches sur les éléments Pokémon que tu essaies de remplir le plus possible. Donc tu as vu 20 Pokémon et t'as 9. J'espère que tu conduiras à capturer des Pokémon pour remplir ton Pokédex. Si tu attrapes un certain nombre de Pokémon, je te donnerai une récompense. Ah ouais, mais Nuzlocke, ça... C'est gênant, ça, pour la capture des Pokémon. Hein. La pire chose qui soit est de voir un nouveau Pokémon et d'essayer de le capturer... Pour te rendre compte que tu n'as finalement plus Pokéball. Voilà, ça devrait t'aider. Il y a tellement de Pokémon différents à découvrir à Tandor. Bon courage dans ton aventure, Anario. Ah, je savais pas qu'il y avait des bouquins, là. Les Pokémon sont soignés, d'ailleurs. Voilà, c'est soigné comme ça. Non, non, c'est bon, t'as déjà vu mon Pokédex. Tiens, le Raptor, je suis toujours ici. On va rendre visite à mamie, on ne sait jamais. Peut-être qu'elle a une surprise pour moi. Bon, bah l'épisode va s'arrêter là, c'est bon.
La Wii. Non, mais non, c'est la Switch, c'est plus la Wii, hein. Alors, la maison de Théo, c'est celle-ci, non? Non. Bour moki didi la 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 la. Personne ici? Non, personne. Bon. Le père de Théo a disparu. Allez, on va casser ces rochers-là et on va s'arrêter là. Voilà. Attends, on va tout casser d'ailleurs parce que j'aime pas ces rochers. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé. On découvrira la route 3 au prochain épisode. On va sauvegarder. Non, franchement, niveau 15-17, c'est bien ce qu'il fallait, hein, pour après l'arène, hein, clairement.